Beto que tangue non pova. Romains chapitre 9. Beaucoup yalo ma qui capu ya ivoire. Ô homme, oh mon tout, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère pour former pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est là qu'il est dit. Dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. 1 Corinthiens chapitre 3. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dans le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Je lève ma, je lève ma, parce qu'il m'aime.
Christ. Encore une fois, Seigneur. Oh Dieu. Nous approchons près de ton trône de grâce. Pour prendre, Seigneur, la nourriture que tu nous as pourvue. Seigneur. Oui, Jésus. Nous pouvons manquer de l'appétit. Mais Seigneur, tu as une pilule qui fait que Seigneur, quand nous la mangeons, cela fait sortir tout ce qui peut dégager l'appétit. Alors c'est pourquoi Seigneur, nous implorons de nous envoyer le Saint-Esprit, qu'il soit à l'œuvre, qu'il a accompli son dessein et qu'il accomplit ses promesses. C'est à lui de les accomplir. Que Seigneur, que tu viennes en aide de notre incrédulité et que nos cœurs soient libres, notre pensée soit libre et que tu sanctifies nos oreilles, que tu sanctifies notre entendement spirituel et que Seigneur Jésus, tu viens à nous sceller à l'intérieur du Saint-Esprit et que Satan et son sujet soient scellés à l'extérieur et que Seigneur Dieu, seul toi qui as l'ordre maintenant de bouger, de se déplacer, d'œuvrer Seigneur, et que les anges de Dieu soient autour comme des gardiens du temple pour arrêter l'intrus, afin que Seigneur Jésus, le lieu de sa transformation en ciel, pour l'atmosphère, pour se produire la foi réelle, il produira les résultats de la parole. Bénis la parole, Seigneur. Bénis ton peuple. Reçois-nous en ta main. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la manifestation de l'Esprit. Cette fois-ci par les dons de l'Esprit. La Bible appelle les dons spirituels. Amen. Amen. Et le prophète qui a expérimenté tout nous a révélé, mais si quelque chose ne tient pas dans l'église de Dieu vivant, il y a certaines choses qui sont des valeurs que nous avons méconnues. Nous les connaissons, mais on n'attire pas beaucoup, assez d'importance sur cela. Alors, c'est cela qui est très important. Tout est important. On a dit même dans une voiture, si c'est même le boulot. Des pneus peuvent manquer. La voiture aura des dommages. Il faut nous dire que quand nous parlons du Saint-Esprit, parce que nous parlons d'une voiture, le Saint-Esprit est comme une voiture. Toutes les pièces formées, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, si on enlève quelque chose de la voiture, ça veut dire que tu ne veux pas que cette voiture puisse rouler. Amen. Amen. Et si nous voulons que chacun puisse rouler et que l'église puisse
avancer, rouler, il faut que nous puissions accepter, mettre toutes ces pièces-là sur place en ordre. Pour que la machine puisse marcher. Amen. Amen. Et ce que nous avons vu. Amen. Amen. Le Saint, le don de l'esprit a beaucoup d'utilité dans l'église. Amen. Nous avons vu qu'il sert aussi à pouvoir juger l'esprit. Il y a parfois des options. Il y a parfois des fausses tranches. Des faux messages. Amen. Amen. Des songes qui sont faux. Amen. Amen. Des rêves qui ne sont que des envoûtements du diable. Il y a aussi des esprits d'envoûtement qui n'est pas une personne mais qui plane dans la salle trouva un homme ou une femme faible. Il entre en lui et commence à mettre la distraction surtout du côté des femmes, du côté des mamans. L'esprit rentre, et la distraction commence à rentrer même lui pour, il est là seulement pour voir les enfants. Il peut même taper l'enfant. L'enfant pleure ainsi de suite. L'enfant pleure pour cet esprit-là qui est là. Mais si le don est là, il va déjà le canaliser et il peut, on peut maintenant capable de le chasser. Amen. C'est Amen. Là où nous avons dit, là où nous avons dit que c'est il sert, si l'église est un arbre et que quand l'arbre est infecté par les insectes, il faut prendre le fruit des insectes pour purifier l'arbre afin qu'il n'y ait pas de dommages dans l'arbre et que l'arbre puisse porter des bons fruits, que les fruits ne soient pas infectés aussi. Il faut même dire que l'insecticide là s'appelle le don de l'esprit. Amen. Amen. Et maintenant, si cela n'est pas là, vous voyez que nous aurons des fruits, mais infectés. Vous devez voir quelqu'un qui manifeste la douceur. Quand vous remarquez cette douceur-là, n'est que le diable. Parce qu'il y a des démons qui sont doux. Il y a des démons qui sont gentils. Un homme peut rentrer chez vous très gentil. Vous le faites confiance. Mais c'est un voleur. Mais il est gentil, doux. Il peut travailler avec vous même pendant 4 ans. Il y a d'autres même qui ont fait 10 ans. La 11e année, vous les laissez, nous on part en voyage. Quand vous revenez, la maison est vide. Et vous allez dire, ah vraiment, qu'est-ce qu'il a eu? Non. Pour commencer, c'était un voleur. Mais son démon là a revêti les vertus, la douceur, ainsi de suite. Alors, comment pouvez-vous la canaliser? C'est au travers de la manifestation. Ça peut être par un songe. Peut-être par une vision. Peut-être par une prophétie qui est donnée. Et d'avoir là-bas, l'homme là, il faut faire attention. Si seulement on ne croit pas ça, on devient comme des témoins de Jéhovah. Qui seulement fixe leur salut sur faut prêcher seulement. Donc, samedi soir, ils prêchent. C'est comme ça qu'ils vont rentrer au ciel. Toutes les autres choses, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont rejeté la chose principale. La Bible dit quelque part que la pierre qu'on rejeté ceux qui bâtissaient est devenu la principale des langues. Et le prophète dit que cette pièce est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui amène la manifestation des dons.
Nous avons lu ici que chacun de nous ici a un don particulier. Puisqu'on est serviteur, on est servante. Une servante qui sert dans une maison. Un serviteur qui sert dans une maison. Et chacun a sa tâche dans la maison. Et l'autre ne voudrait pas ce que l'autre fait. Cela peut faire la cuisine, faire la vaisselle, cela fait la lessive, cela fait la serpillière, cela il prépare. Amen. Amen. Tu peux faire la technique. Chacun a son rôle. Chacun va chercher que sa tâche soit accomplie. Et c'est ce que nous sommes. Mais il arrive que certains d'entre nous ont quelque chose mais ils ne veulent pas le servir. Amen. Amen. Tu vois que tu as des songes. Tu gardes ça pour toi. Tu vois un songe. J'ai fait un songe, un tel est mort. J'attends jusqu'à ce qu'il va mourir. Après quand il va mourir, j'avais vu ça avant. Tu es content. Parle. C'est bien. C'est un don que tu as en toi. Et c'est là où Paul dit, est-ce que l'argile qui est façonnée dans, on a fait un vase. L'argile peut parler au potier. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Je le considère comme de l'argile. D'abord, il a pris la terre pour nous façonner. Aussi. Il est potier. Mets quelque chose en toi. Les songes que tu fais, les visions que tu fais, les connaissances, la prophétie, de dire les choses s'accomplissent. C'est lui qui a fait ça. Là. Et Dieu doit s'en servir. Si tu ne veux pas, c'est un blasphème. Ça veut dire Dieu ne peut plus t'occuper de toi. Parce que tu refuses ce qu'il a mis là. Lui, il te connaît mieux que toi. Et il sait que s'il a mis ça là, c'est ça qui te sert. Amen. Quand Israël partait au combat, chaque personne avait son instrument. D'autres avaient seulement des bâtons. D'autres avaient des fusils. D'autres des pierres. Chacun doit se servir avec ce qu'il a. Il faut même dire, pour vaincre Satan, tu dois se servir dans une seule chose. Si chacun donne des songes, tu dois Satan avec ça. Amen. Amen. Si tu as seulement un don de prière, tu chasseras Satan avec ça. Si tu as un don seulement d'exhortation, tu vas chasser Satan. Amen. Amen. Donc chacun un élément auquel Dieu doit prendre pour que son église marche. Amen. Pour que ça marche. Parce que le diable ne laissera pas. Il faut même dire que le diable attaque les dons. Amen. Amen. Le diable aussi, en matière de religion, en matière de prière, ou l'adoration, il ne séduit pas un vaurien. Il prend celui qui a un grand don. Regardez le monde, ceux qui ont des grands dons, c'est des dons que Satan a fait. Ce sont des dons de Dieu. Amen. Amen. Mais puisque lorsque Dieu les a appelés, ils ont trouvé que la parole est trop dure. Ils ont vu la légèreté. Et Satan, qui a aussi une puissance, met sa puissance sur lui. Amen. Et ça existe des grandes choses. Et vous allez voir les attributs de Satan. Après demain, et c'est maintenant des choses mauvaises qui se sont. Ah, vraiment, le dit, Satan, vraiment, non. Satan, c'est dès le départ.
Amen. Amen. Cette onction ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est Satan qui est là. Il a accompli des grandes choses. Amen. Et quand cela rate dans l'église, il se sera attaqué aussi. Yani ke nuana kaka la kutu nuanisa. Et c'est ce que même certains frères ou sœurs craignent. Si je profite dans l'église, les gens vont me haïr. Amen. Amen. Tu refuses d'être haï. Alors que la parole dit, tu serais haï à cause de moi. Si on te haï à cause de la prophétie que tu donnes, non, c'est pas mon problème. Il haït. Il a eu celui qui a mis ça en lui. Parce que moi, je ne peux pas prophétiser. Moi, je n'ai qu'un don. Mais le don là, c'est qui a mis ça là. Mais celui qui a mis ça, c'est lui qui est le responsable. Et il fait ce qu'il veut faire. Donc, si on vous haït, c'est Jésus qu'on haït. Et tous ceux qui ont haït, quelqu'un qui a un don, sans succomber, il meurt. Parce que il va tenir le feu. Mais pourquoi craindre ça? Amen. Amen. Pourquoi craindre? Tu as un don? Je ne prie pas pour toi. Un don a besoin de la chaleur. L'atmosphère. Les atmosphères vient par la prière. La prière est un sacrifice. Cela fera que tu allumes le don. Et le don peut capter chaque chose dans un rayon donné. Amen. Amen. Et si tu pries beaucoup, ça peut aller jusque même à RDC. Capturer ce qui se passe. Amen. Amen. Mais si tu laisses. Amen. Amen. C'est que tu dis, amour, nous sommes veillards. Tu continues comme ça, je vais t'abandonner. Amen. Parce Amen. Que tu deviens un serviteur inutile. Alors il a besoin que tu sois serviteur utile. Je ne sais pas si tu fais comprendre. Donc chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis. Sans cela, il ne peut pas t'appeler pour venir adorer. Ne peut qu'adorer que celui qui a quelque chose. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas quelque chose, c'est cela que le diable aussi utilise. Pour étouffer ce que vous avez. Amen. Amen. Mais ici, pour il peut étouffer. Mais si ces dons sont entraînés, ceux qui en possèdent, c'est que je dois servir Dieu à partir de ça. Ce sera une victoire. Amen. Ce sera une victoire. La Bible dit, c'est Paul qui dit que les méchants ne résistent pas dans les assemblées de saints. Maintenant, si nous sommes dans l'assemblée de saints, comment des gens peuvent venir ici et envoûter l'église? Pourquoi comment les gens peuvent venir ici arrêter les bénédictions que les gens doivent recevoir? Amen. Amen. Parce que Pharaon dit, lorsque Dieu promet quelque chose, le premier qui doit pouvoir confronter, c'est Satan. Satan, c'est quoi le chemin? Il empêche que vous passez. Mais maintenant, si c'est lui qui empêche, amen. Amen. Mais il faut l'écarter. Mais comment l'écarter? C'est un frère. C'est une soeur. Comment l'écarter? Le don va les manifester. Amen. Amen. Et quand le don va les manifester, si c'est son caractère, donc son comportement, il est fils du diable, il fuit à l'église. Maintenant, si c'est un fils de Dieu, il va se repentir et les esprits vont partir. Et alors les bénédictions sont maintenant déversées. Parce que pour que la puissance s'exerce, pour au préalable, on doit chasser Satan. Et Satan, c'est tout ce qui s'oppose à la révélation que nous avons reçue, à la promesse que nous attendons. Amen. Amen. Celui qui nie les plaintes. Amen. Amen. Ça veut dire que
Les plaintes détruisent la foi. Ici, nous avons comme instrument de travail la foi. Et cette foi-là, c'est celle-là qui va maintenant manifester ce qui est en nous. Pour le service de Dieu. Amen. Amen. Et frère dit que les dons de l'esprit. Amen. Amen. Si ça se manifeste. Tous les envoûteurs. Les antichrists. Seront là-bas. On ne peut pas aller. Parce que quoi? Il y a une interdiction. Il y a quelqu'un qui vous remarquez, dans chaque nation, dès qu'au Congo, il y a beaucoup de pays ici qui sont en représentation. L'Angola est au Congo. Angola qui est au Congo. Amen. Amen. Ils ont un ambassade. L'ambassade là, il gère les gens de son pays. Un Angolais arrive. Qui vient en ordre, bien sûr. Il doit aller à son consulat. Et il doit être enregistré. Et s'il va passer combien de temps ou 6 mois, le consulat lui donne une carte de visite. Non, une carte de résidence. Il nous servira d'être libre. Amen. Amen. Et si vous le touchez, il va là-bas. La police congolaise va venir vous attendre. Parce que vous êtes à tête à un Angolais, c'est contre l'Angola. Vous voyez maintenant dans chaque ambassade, pour le connaître, ils ont une bannière, un drapeau. Dès que là, quand vous irez vers Assisé, en diagonale là-bas, vous voyez. Il n'y a pas de militaire autour. Il n'y a pas de militaire. Quand vous partez dans les garnisons de l'armée, vous avez les militaires autour. Quand vous allez chez chaque ministère, il y a des militaires. Mais il y a l'ambassade, l'ambassade. S'ils sont là, ils sont en civil à l'intérieur. Amen. Donc, moindre irruption là-bas. C'est une déclaration de guerre contre l'Angola. Donc c'est interdit. Donc, ils sont en sécurité. Il y a aussi l'ambassade de la France. Représente. Et nous, Pebeto. Amen. Amen. Nous sommes une nation divine dans ce monde qui représente le ciel. Amen. Amen. Et que le monde religieux, les catholiques, tout ça va reconnaître. Il faut qu'il y ait un drapeau. Mais s'il n'y a pas le drapeau, on est confondu avec eux. On n'est pas des gens du ciel. Satan reconnaîtra. Satan et là-bas, non. Parce que je vais là-bas. Déjà la bannière est là. Si je vais faire la guerre là-bas, c'est faire la guerre contre le ciel. Alors, qui peut défier le ciel? Amen. Amen. Regardez même pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit ne touchez pas la ville sainte. C'est-à-dire Rome. Interdiction. Amen. Amen. On dit ne touchez pas Jérusalem. Pourquoi? Parce que ces nations représentent. Amen. Amen. Vatican représente le trône de Satan. Donc c'est interdit. Vous touchez Vatican, c'est la guerre contre Satan. Il y a quelqu'un invité qui tente Satan. Vous touchez Jérusalem, c'est la guerre contre Dieu. Mais nous sommes à Jérusalem qui tente Nzambi. Amen. On ne peut pas toucher. Amen. 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 Maintenant, nous aussi, nous sommes représentés comme une nation de Dieu. Une église de Dieu. Il doit avoir la bannière. Bon, maintenant, si vous levez la bannière, n'importe qui peut venir.
Je crois en 2018, on était victime d'un vol ici. Mou la bande en 2018, il ne voit pas la bannière. On attend là-bas, on dit bénis levé. Si il y a la bannière, il viendra. Quand on dit bénis le quai, la cuisse a dit à café. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons placer le drapeau. Tout la bendele. Physiquement, même si, on, même si on met la croix là. La qui attends, on va te police. Tu ne vas pas craindre ça. Qui m'avait dit couloir. Amen. Amen. Ça c'est le symbole. Eh, hey, qu'est-ce qu'il y a dimbu? Personne ne peut craindre le symbole. Nous, tu venais la qui m'a dit. C'est concret, c'est la manifestation de symbole. Car si qui m'a dit qui m'a gagné, talana nous. On a fait Jésus comme ça. Tu la histoire. Ça c'est le symbole. Mais si on voit la manifestation de l'œuvre de ce qui a été fait là, il saura que Jésus est là. Mais si il n'y a pas, c'est simplement comme les catholiques. Les catholiques aussi en a dans leurs églises. Amen. Ils ont tout. Ils ont des processus. Donc chaque chose. Amen. Dieu a placé ça dans la parole. Et c'est à nous de pouvoir mettre la bannière. Vous savez la bannière là c'est quoi? Lisons le prophète. Lisons le prophète. Tangé le mikuri. La bannière c'est le ministère. Mais ici, la bannière de l'église. Lisons dans la foi sans les œuvres sont mortes. Bête tangé dans la boucle, y'a beaucoup dit la foi sans les œuvres sont mortes. On doit placer cela. Bête fana tout là. Si nous croyons les prophètes. Kana bête que quikila kambikudi. Chacun de nous est un temple. Qu'on se mout na bête que les dikapu. Alors on doit retrouver ce que Dieu avait placé en moi. Puna bête fana kuzwa iki nzambi tula kanakati ya munu. Les sorciers ils connaissent. Mais il y a aussi des sorciers qui s'ignorent. Il est sorcier mais il ne sait pas que les sorciers. Ça c'est grave. Là tu es séduit. Mais comme les chrétiens qui ne savent pas que les chrétiens. Yakele mutinu mi Kristo ina zaba vechi anikele mu Kristo. D'autres qui ne savent pas que la sainte esprit. Ba yakaka yandi zaba vechi angena mpe vyalongo. Kama kuna donné beaucoup d'interprétations autour du saint esprit. Na kutala chiba pesa kani bambangudulu mingi na inegala tala mpe vyalongo. Alors quelqu'un ne peut pas sa zada dire que j'ai le saint esprit. Kuna mutu mekuma na bomba na kuzonza chimuke na mpe vyalongo. Un homme qui a le saint esprit, un homme qui marche au ciel. Bana tu bachi mutu kena mpe vyalongo ni mutu kena tambula na mazuru zulu. Il est comme Jésus. Ankele mutinu Yesu. Le 22 août 1950, le paragraphe 43. Amen. Amen. Je vais lire, dit, la guérison divine, l'unyaku sur Bunzambi, ce n'est pas de la supercherie. Yakeve maïndu kaka. Pas quelque chose qu'on blague avec. Comment jouer? Ce n'est pas prononcer quelques paroles mystérieuses sur quelqu'un. Et l'hypnotiser. Comme fait les féticheurs. Il s'est menu. Il prend les choses qu'on t'a fermées. Si on enlève les nœuds. C'est pas ça. Ça c'est la supercherie. C'est pas. La guérison divine est la vérité révélée par Jésus-Christ. C'est vrai. Et maintenant, les dons de l'esprit sont sujetés pour édifier. Ou en d'autres termes, c'est un drapeau qui flotte au sommet du bâtiment. C'est l'aspect extérieur pour attirer à l'intérieur ceux qui sont sous la pluie. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, les dons viennent de Dieu. S'ils viennent de Dieu, ils témoigneront de Dieu.
Et Dieu témoignera d'eux. Et c'est vrai. Et si vous êtes malade, priez jusqu'à ce que vous croyez de tout votre cœur. Avez-vous déjà prié pour quelque chose que vous étiez sûr de recevoir? Alors, c'est ça la foi. Amen. Amen. Il dit le don de l'esprit. Amen. C'est le drapeau qui fait le sommet du bâtiment. Donc, on sait qu'à la colombe tabernacle, il y a des dons, c'est fini. Dieu nous a essayé d'avoir des dons ici. Les gens craignaient de venir. Amen. Amen. Il y a d'autres même qui disaient, dès qu'ils entendent seulement quelqu'un, s'il n'y a pas ça, oh, celui qui a volé, il est dans le monde. Amen. 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 Un groupe de prédicateurs. Amen. 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 Qui est venu devant lui. Amen. 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 La capacité de l'audition de Amen. 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 Alléluia. Il est maudissant. Amen. 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 Parce que ce n'est pas ce que la personne prononce, c'est ce qui est dans son cœur qui sort. Donc, en dehors de la parole qu'on prononce, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ce qui vient du cœur de quelqu'un. Et lui, il écoute ça. Amen. Amen. Et comme il a vu, il a damé. Les prédicateurs se sont répandus. On voulait seulement essayer si c'est vrai. Et c'est prophète. Pardonne-nous. Voyez-vous? C'est pourquoi on ne pouvait pas blaguer à Branham Tabernacle. On ne pouvait pas blaguer. C'était un temple saint. Un sorcier rentre la peur. Donc il vient pour lui. Pour son problème. Il est pour lui malade. Il y avait un jeune qui vivait un peu loin là-bas. Le jeune là était un grand féticheur. Il est venu. Il est rentré. Il s'est assis. Il est assis là. Le frère était là. Il a porté avec un gorille. Un gorille. Maintenant, une seule fois la vision. C'est quand elle est en vision, elle est en contact. Je me couvre dans Guizdoul Nayani. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne parles pas. Mais lui, dès que tu as la pensée, c'est lui. Lui, ah, je ne veux rien faire. Je suis ici avec mon maître. Je ne sais pas si c'était sorti ou pas. Après, la soeur m'a dit ça. J'ai cherché à voir le frère. Je suis monté un peu en haut là. Il avait sa femme. Donc, je lui ai parlé. Il dit, ah, pasteur. C'est vrai, moi je cherche à me débarrasser. C'est une chose qu'on m'avait donnée à la famille. Je délivre les gens. Mais je suis pauvre. Il dit, il n'y a pas très longtemps. Il y a un monsieur. Il a détourné à la banque. On l'a mis en prison. Ils sont venus chez moi. J'ai seulement prononcé. Il est sorti. Quand il est sorti, je voulais lui demander l'argent. Mais lui me dit que c'est 2500. C'est ça qui me fait que vraiment je délivre les gens, mais je lui donne les prix. C'est malheureux. Moi, je dis donc, c'est celui-là qui était là. C'est lui qui fait ça. Donc moi, il dormait à terre. Pas de mousse. Sa famille est venue. Vraiment. Je lui ai dit que le peu d'argent faisant un petit commerce. Pourquoi je le fais? Moi, je dis, on va...
on va brûler ça. Je sais que tu as quelque chose dans la maison qui représente ce totem. Il y a qui dans la qui s'est qui veux brûler. Ah, je veux pas voir mal. Non. Je veux pas voir mal. Qu'est-ce que pas suivi? On va brûler là, toi, tu seras là, et il va partir. Alors, pasteur, donc, on fait ça quel jour? Moi, je dis, bon, comme ici, à la maison, tu as peur, tu viens mardi à l'église. Oui, ça n'a dit bon. C'est chaque mardi, je crois, j'avais des réceptions. J'attends mardi, là, il est parfait. Vous finissez la mardi, à la cuisse avec. J'ai mal là-bas, mercredi, la chambre de quartier. Amen, sobi, ça calatier. Voyez-vous? Bon, maintenant, une personne comme ça, et vous venez à l'église, elle peut bouffer les enfants. Il y a des gens comme ça, moi je me fous. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Tranquille. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Vous chassez les témoins. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Amen. Amen. Mais si tu vois, tu as corrigé. J'ai corrigé, Basika. Il y a aussi un frère. Il y a quelqu'un qui est là. Ça me vient à l'esprit. Il y a la cuisine. Nous avons. Dieu a commencé quand nous étions là-bas. Il y a un zabi, il y a un fraîche, bon, je ne dis pas le nom, c'est pas bien. Il y a un kundi, il y a un kumbu. Les anciens vont savoir. La soeur regarde dehors. Il voit un papa. Il voit un vieux qui hunda. Il se met debout. Il veut rentrer. Il veut rentrer. Maintenant, dans la vision, il voit. Que ça, il vient prier, c'est comment? Il avait des hésitations pour rentrer. Il sait qu'il y a des dons. Après, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, moi, si vous venez pour mon mutekolo. Oh, c'est qui, c'est un tel. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Avec un couteau, vous venez tuer ce mutekolo. Alors, la soeur m'a donné le message. Elle a donné le message, j'ai appelé le frère. Et il y avait aussi, je crois, la sœur Véro qui était là. Après, c'est ça qui va dire. Oh. Mais ce matin, ils ont eu des disputes avec sa maman. Nasuka et Mamé Swan à la maman Yandi. Donc, vrai dispute. Mamé Swan, c'est là cette espèce qui l'a. Je demande le frère. Oh, parce que je le connais. C'est notre grand-père qui est mort à Inda. Comme ça. Tu as un problème avec lui. Non, j'avais un problème avec maman. Maman. Tu dois aller confesser à maman. Maman s'est fâché beaucoup. Ça m'a mis à des choses comme ça. Bon. Si elle va se faire foyer, quand on a pas de foyer, on va se faire dans l'église. On va se faire foyer. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est une bannière. Il y a des bendele. Il y a des kundwani. Il ne peut pas s'azarter. Il y a des salariés qui font bou. Il y a des loca mutawa. Il y avait même un moment où une vision qui est venue. Un serpent qui montait sur un bébé. Nakunaka sur un tébélé. Et celui qui avait dit, eh, moutou mettez la bête. Et il est parti chez le frère qui a battu le serpent. Vous voyez des choses comme ça. Maintenant, celui-là, le serpent, il va encore amener ça. Moutou Yakuza Nyoka, il est là, il est là, il est là. Parce que s'il amène, alors, ça sera maintenant, on va donner ça. Kuna, ya, comme tu veux, on va donner ça. Kingani. Amen. Amen. Attention. Keba. Parce que tu commences comme ça. Sabe, frère, frère, attention. Kuni Kingani, Keba. Attention, ça veut dire. Il y a quelque chose de grave que tu veux faire. Il y a attention. Keba. Quand on va demander de faire. Attention. Keba. Il sait aux hommes. Il y a les zaba dans même si tu ne dis pas, il sait. Attends, quand il y a les zaba, il y a les zaba. Et il va laisser. Il y a les et depuis ce jour-là, si le frère n'a même pas son serpent. Amen. Il y a aussi une femme ici. Il y a quelqu'un qui était gentil. Il y a quelqu'un qui était bon pour. Son fils m'a amené dans sa maison. Moi, il y a quelqu'un qui était le fils qui était Brazzaville. Moi, il y a quelqu'un qui était Brazzaville. Il faut qu'il puisse prier maman. Il y a quelqu'un qui était Brazzaville. Si j'ai horreur de la maison, vous allez le connaître. Il y a quelqu'un qui était Brazzaville. Alors, il est venu. Quand il fait sortir quatre serpents. Il y a quelqu'un qui était Brazzaville. Je crois qu'il y a un frère qu'on voit ça. Tu dois faire quoi? Je prends le feu. Les serpents sont rentrés. Il avait fou depuis aujourd'hui. Vous voyez? Ça veut dire que le don de l'esprit, c'est la bannière. Que ici c'est l'église de Dieu. Amen. Amen. Mais on doit faire attention.
Amen. Ameni. Même dans les ambassades. Attaque on a baïnzo ya babouala. Il y a des intrus qu'on amène là. Il y a quel mamifiche qui va faire ça. Même quand une armée va en guerre. L'attaque on bouleboule que connaît dans vita. Il y a des intrus. Il y a quel mamifiche na kati. Amen. Des Amen. Flics. Mamifiche. Des étrangers. Quand on va en guerre, on vous bat. Boule à beno. Quand la Russie a subi ça. Russie, mais il y a Zouadien, bah, il devait enregistrer, identifier. Il est ma Russie. Comme les Américains. Russie, nous battons Américains. En 2009, quand ils sont rentrés en Irak. En 2009, Irak. En Libye. Na Libye. Quand ils sont rentrés, ils avaient des difficultés. La Donc, il y avait des musulmans à l'intérieur. Il y avait des militaires américains. De foi musulmane. Comme là-bas, Libye, c'est le fief des musulmans. Donc, parfois, ils commettaient des actions. Ils avaient dit que c'est une opération d'un jour. Ça. Ils ont fait une semaine. Il y a même un torrent de sable. Ils ne pouvaient pas marcher. Les chars étaient là cloués. Ils ont trié. Ils ont trouvé ces musulmans. Dès qu'ils ont enlevé, ils sont rentrés en Libye. Un jour, ils sont rentrés. Amen. Donc le diable fera aussi introduire un sorcier avec un don. Amen. Amen. Et c'est lui maintenant qui commencera Banda, à pouvoir embrouiller des choses qui peuvent édifier ou qui peuvent délivrer l'église. Amen. Amen. Et voilà qu'en cela, si un sorcier, il va faire sa sorcellerie à la maison. Mais pas dans l'église. Pas contre quelqu'un de l'église. Parce que s'il vient, il est arrêté. Amen. Amen. Et c'est la chose. Surtout quand on kukabateke. Quand il parle de songe, ça existe. On croit pas ça. Bandoki, quel est le petit qui il y avait pas de songe. Bandoki, il va la café. Ça c'est patriotisme. Il n'a qui bon PV. Et vous voyez que tous ceux qui ont commencé là, c'est des sorciers. Amen. Jusqu'à ce que Dieu a mené un mouvement. Il y a eu maintenant des divisions. Beaucoup des églises. Et jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là sont là même. Et s'il rentre dans une église, oh. S'il n'y a pas de don, il ne va pas fuir. Mais dès que le drapeau est mis, tu sais que moi je ne suis pas pour moi chrétien. Moi je suis pour moi antichrist. Mon but c'est de détruire. Il va prendre la porte. Amen. Amen. Vous voyez à la Pentecôte. Il y avait pas ces choses-là. C'est après que tous les apôtres sont morts. Ils sont revenus pour blaguer. Mais quand Dieu a suscité un prophète comme Paul, il a établi l'ordre des dons dans l'église. Ça soit une opération. Amen. Et personne ne peut bouger. Amen. Et ça édifie. Non, pas seulement ça. Le côté négatif, c'est de laver l'église, que les fausses onctions existent. Et le côté positif, c'est de nous édifier nous-mêmes. Tel que quoi? Lisons ici. Dans la robe d'occasion, il pense que c'est l'angle qui était maudit. Oh, c'est dans l'église. Amen. Amen. Parce que l'église doit être soit un enfer, soit un ciel. Et si l'église est un enfer, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, et ceux qui ne sont pas sorciers, pas d'avancement, rien ne va marcher. Et ils sont puissants.
Amen. Amen. Donc il faut le Saint-Esprit. Et c'est pour aussi en avoir. Parce qu'il va étouffer ça. Quand tu veux mettre le tu veux placer, mettre les dons. C'est le paiement. Amen. Amen. D'autres même intimides. Tu es en train de parler. Ah, aussi. Ah, toi aussi. Ah. Ça, c'est un vrai don. Quand quelqu'un fait comme ça, il faut l'attaquer. Tu as eu plutôt ton trans. C'est un démon. Parce que celui qui aime ça doit encourager. Frère, tu dois beaucoup prier. Frère, je peux te donner ma requête, frère. Sœur, prie pour moi. J'ai telle situation. Voilà. Et c'est en cela que quand tu vas prier, et Dieu va pouvoir parler. Mais toi, tu vas. Toi aussi. Ça, c'est quel langage? L'intimidation. C'est l'âme de Satan pour détruire la foi. Encourager les gens. C'est-à-dire exhorter. Les uns les autres mutuellement. Amen. Amen. Un jour il parle, il prophète, il a tout de parler. Vous parlez en langue. Moi, ton devoir c'est quoi? Seigneur, fais que Salasi. Que tu nous donnes même l'interprétation de langue. Ou bien quelqu'un dans l'église puisse mourir toi-même. Donne-moi l'interprétation. Parce que c'est pour nous édifier. Édifier veut dire construire. Pour que tu sois un véritable chrétien. Donc je disais, robe d'occasion 16 décembre 50. Je commence avec au paragraphe 12, nous avons 14, la bonne compréhension. Et il y a une très grande différence entre un don de prophétie et un prophète. Un don de prophétie, c'est un don qui opère dans l'église. Il peut être sur quelqu'un une soirée et sur une autre soirée et sur un autre encore une autre soirée. Et avant que cela soit reçu par l'église, il dit le don de prophétie peut choisir n'importe qui. Amen. Amen. Tu n'as pas ce don. Là. Mais Dieu peut prophétiser par toi. Parce que tu es dans une bonne attitude. Et après demain, il peut être sur notre institut. Et maintenant, quand cela est donné, il doit être jugé par trois différents juges. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de faire un songe ou de faire une vision, d'aller la porter à quelqu'un. Amen. Amen. Vous allez faire du mal. Oh, je rêve ceci. Tu mets ça dans dossier. Donc tu as rêvé, donc c'est juste. Comment sais-tu que c'est juste? Alors que la Bible dit, il faut que ça soit jugé ton songe. Par trois juges. C'est pourquoi tous les neuf dons doivent être. Parce que si Dieu parle comme ça, quand il sait que les neuf dons sont aussi placés. Vous savez déjà quelqu'un prophétise, les autres sont déjà là. Parce que Dieu ne peut pas mettre la prophétie sans que les juges ne soient. Donc celui qui a la sagesse, le don de connaissance et le don de discernement, les trois doivent être là pour juger. Celui qui a le discernement de l'esprit saura quel esprit qui parle. Celui qui a la connaissance, il saura où c'est venu d'où. Si on a seulement dit ça, il va savoir que ça. Si ça pense, il va dire. Amen. Il dit, et puis ces trois témoins doivent accepter cela comme étant la parole du Seigneur. Alors cela est enregistré. Donc, ça peut passer si un dimanche.
Amen. Amen. Oh, il y a un frère ici. Si il y a volé peut-être. Mais il y a un frère ici. Si il y a ou frère un tel. Tu dois obtenir demain. Au travail. Une promotion, une grande promotion. Amen. Amen. On ne peut pas. On doit amener à juger. Peut-être que qu'il avait malheureusement, peut-être qu'il faut la fournir cet été. Amen. Et quand le juge dit que c'est de Dieu, n'attend vous fournir ce que tu vas chercher en Zambie. Alors on annonce que c'est de Dieu. Pour le moment, ça nous ne chercher en Zambie. Amen. Amen. Alors le frère va partir. Pekundi que kuenda. Et si ça n'arrive pas, car il y a salam à vie. Tous ont été animés d'un mauvais esprit. Bambat nous on bikula quand les vannes pleuvent. Et va prier pour les trous, les trous là. Pe diboule faire assembler là-bas. Bambat nous on se tatoue là. Donc les quatre celui qui a prophétisé. Bambat il y en a une même bikula. Ça c'est l'ordre. Il n'a qu'elle est sous. Amen. Amen. C'est pourquoi, à partir de ce soir, de ce matin, vous voyez des choses pour les gens, n'allez pas là-bas. Venez au pasteur, j'ai fait tel songe, j'ai fait telle vision, et je vais prendre ça, et ceux que je connais, ceux qui ont un peu de discernement, je leur donne, on voit ensemble. Et si on dit que c'est juste, c'est alors qu'on va appeler l'intéressé. Amen. Amen. Et c'est là où Frère dit les dons déchirent les églises. La raison pour laquelle les églises qui croient mal à prophète n'aiment pas les dons, c'est parce que le mauvais côté est trop. Ça déchire. Il y a quelqu'un qui a dans la prophétie, il veut seulement recevoir les gens. Il trouve ça, il va le dire. Il y a un bicou qui a déjà dit. Il a déjà dit. Ça déchire. Il y a un bicou qui a dit. Moi j'ai vu le frère, le pasteur est nu. Tu m'as dit que peine. Et j'ai vu le frère nu. Vous mettez la coune en peine. Ça veut dire quoi? Tout le reste de la chose. C'est le péché. C'est pourquoi dire ah, pas de nom. C'est faux. Y a quel manque qui m'a dit que c'est la bannière. Que le diable reconnaît. Il a diable que ça là-bas je peux pas toucher. Tant que ça n'est pas le diable va rentrer. Il va diable que côté. Il va détruire. Il va monter en chair. Y a tout qui kuma. C'est un pasteur adultère. Il ne viendra pas. Amen. C'est que quelqu'un qui va monter. C'est un pasteur franc-maçon. Il ne va pas monter. Vungi est franc-maçon. Parce que aussitôt déjà les jumelles vont remonter. Malamo, si kuna amé si ma quoi il va. Il m'a le message. Ça nous met quiza. Vungi. Ah, je prêche à côté. Il y a un gorille. Il y a un long à casser la longue. Il y a un kokwangé. Qu'est-ce que tu dis? Il y a la sonza qui est là. Ah, Kundi. C'est faux ou c'est vrai? Il y a quel vous nous toquerica? Pasteur. Vungi. Moi je viendrai plus près. Vous allez longer à café. Pardonnez-moi. Voyez-vous? Benatala. Ah mais c'est pourquoi frère me dit? Il y a combien de temps? Abraham. Abalami. Il ne refusait pas la chair à quelqu'un. Et les gens ne partaient pas. Parce qu'il avait un grand testeur. La bannière. Qui bénélé. Il y a donc. Et voilà. Et puis trois témoins acceptés comme cela étant la parole du Seigneur. Alors, cela est enregistré. Et si c'est, déjà au paragraphe 12. Et si cela ne s'accomplit pas, il y a donc eu un mauvais esprit parmi les gens. Amen. Amen. Donc, ça veut dire celui qui prophétise, il a un don de Dieu. Mais rien n'empêche que le diable puisse rentrer. Parce qu'au niveau de l'esprit, quand Dieu et Satan font le choix, quand Dieu a donné à Satan de faire le choix dans l'homme. Qu'il appelle son royaume. Parce que l'homme, c'est le royaume de Dieu. Dans quelle place que tu prends? Baga Satan dit moi, c'est la tête. Satan dit moi, je prends le cœur. Donc on ne peut pas l'empêcher de prophétiser. Amen. Amen. Mais on l'empêche de rentrer dans le cœur. Dès que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu véritable, j'aime Dieu. J'aime la parole. Dans ton cœur, Satan n'a plus de place. Satan a plus de place. C'est scellé, c'est fini.
Jusqu'au jour de la rédemption. C'est pourquoi nous avons besoin que ce que nous écoutons nous rentre ça dans le cœur. Que le mauvais qui est dans le cœur sort. Donc il y a eu un mauvais parmi les gens. C'est pourquoi je pense nous avons mal utilisé les dons divins de Dieu. Tu as un don, mais tu utilises ça mal. Tu racontes aux gens. Les gens que tu connais. J'ai vu le frère Antel. La soeur Antel qui aime ça. Tu fais quoi? Est-ce que tu édifies ou tu détruis? Mais un don qui détruit n'est pas accepté de Dieu. Dieu ne détruit pas, Dieu construit. Profession, c'est un c'est ton nom qui te maudit. Ça n'a pas de place dans la parole. Amen. On n'a pas, un problème avec les gens. Nous luttons contre les esprits, les démons. Et si l'angle te fait mal, c'est qu'il y a une cause. Y a quel est-ce boum ou quel est? Tu avais bouffé son argent. Tu prends pas la responsabilité de la famille. Il n'y a pas qu'avec qui est quand. Mais si on te bouffe, on te largue un esprit. Mais Dieu ne va pas empêcher ça. Nous avons mis les mains. Amen. Amen. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Satan, une chicote de Dieu pour corriger les incrédules. Elle est mauvaise. Je continue. Deuxième tiré de paragraphe 12. Dans notre tabernacle. Chez nous au début. Dans notre église baptiste au début. Quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et que j'avais eu un appel au ministère. Nous avons essayé de chercher Dieu pour les dons spirituels. Parce que dès qu'on a le baptême du Saint-Esprit, on doit cesser les dons spirituels. Nous recevions tous ceux qui venaient. Il y avait des dons. Peut-être une heure avant le début du service. Donc comme ici nous commençons à 8h30, on ouvre l'église à 8h30. Les gens là sont à 8h pile. Ceux qui ont le don commencent à prier pour la réunion. Et ils ont déjà des messages. Et quand on commence à lire les messages. Voilà comment l'église au début commence. Parce que ici on n'a pas assez de temps pour que ces gens-là s'exercent. Mais ils ont moins 30 minutes de 8h30 ils s'exercent chaque réunion. Amen. Et ils ont des requêtes aussi. On avait commencé ça ici. J'avais aboli ça parce que le diable s'était incliné. Le diable était rentré pour même détruire. Mais pourtant l'enseignement était donné. Parce qu'avec des gens qui avaient des mauvaises ambitions. Amen. Quelque part là-bas, j'ai entendu une église. Un pasteur avec un prédicateur. Il avait même des prophéties. Il commençait à prophétiser sur les jetons. Voilà. Il commençait à prophétiser. Et quand il commençait à prophétiser, le pasteur est parti à Brazzaville. Moi, il revient. Il a déplacé l'église. Parce qu'il prophétisait. Ça ne pas rien. Il s'appelle ça l'église. Il s'appelle ça dénomination. C'est un démon. Tu as un don de prophétie. Et par ces deux, tu commences à diviser. Parce que ça n'a pas de don. Amen. Amen. Donc tu connais pas son rôle. Tu connais pas son rôle. Amen. Tu connais pas son rôle. Toujours ce manque d'enseignement. Et là-bas, il dit que c'est l'église du prophète. Là-bas, Dieu se manifeste. Non, moi, ce n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui se manifeste. Dieu, c'est la parole. Dieu ne pourra jamais confirmer quelque chose qui n'est pas en ordre avec la parole. Jamais. Quel que soit le miracle, ce n'est pas en ordre avec la parole. Ce n'est pas effectif. Il y a quelqu'un qui dit
Amen. Amen. Il dit. Anazonza. Et les dons de l'esprit. Comme quelqu'un qui parlerait en langue. En langue inconnue. Et l'autre qui interpréterait. Cela ne peut pas être juste une répétition des écritures. Frère, dans tel verset. Dans ces choses-là. C'est pas des messages. Ça, c'était pensé. Frère. Kundi. Tu m'as montré. Zame la kisamunu. Dans l'acte 2:38. Pena mukana mavanga matumwa. Lisa ta. Tanga ya ngepe mukona tanga. Ambotama. Mufana kona uzo mbotama. Faux esprit. Pempeve imbi. Les dons. Makabu. Ne répète pas les écritures. Que foutu là qu'avait ma sonne quoi? C'est le ministère de la parole qui vous indique sous les écritures. Frère, lis dans Matthieu 12. C'est faux. Frère, c'est un mauvais esprit. Amen. Amen. En effet, Kedika. Je ne recours pas aux vaines répétitions. On dit dans Matthieu 13. Mais c'est déjà écrit. Ce n'est pas un dieu qui doit dire ça. C'est le ministre qui doit dire ça et répéter ça. Parce que toi quand tu dis, tu dois avoir un juge. Amen. N'envoyez pas des messages comme ça. Jérémie Kingani, tanga ya ouvé. Ça c'est faux. Ça doit être un message direct à l'église. Oh, l'église. Il est dans Matthieu 14. Amen. Non. Je dis, l'église, soyez attentifs aujourd'hui. Je vais descendre. On va regarder. Si tu descends, gloire à Dieu. Si tu descends pas, le frère là, on doit l'imposer. Amen. Et puis, si c'était pour l'église, avant que cela soit reçu par l'église, il devait y avoir au moins trois témoins spirituels. C'est pour nous laisser si ce matin quelqu'un prophétise. Non, mais si vous écoutez, ne prenez personne. On doit donner la réponse peut-être mercredi ou vendredi dimanche. Il faut que ça soit testé. Maintenant, si c'était s'il y a une équipe de dons, une maison de dons, lorsqu'il voit des choses, amen. Il y avait même un des gars ici qui était passé ici. Il y avait un Canadien. Je me rappelle en 2010. En 2010, je me banza. Le message est sorti de la maison de dedans. Un certain frère Unimosi, qui avait envie d'envoûter une soeur. Il y avait un Canadien qui dit, on va prier pour ça d'abord. On va tester ça. Mais que quand ils sont sortis, ils ont parlé du Seigneur. Et un jour, cette soeur-là passe à la maison. C'était, je crois, environ de 20h. Il quittait la maison de ce frère-là. Il quitte là-bas. Il passe chez moi. On a prié. Il est parti. Il arrive quelque part. Il fait comme ça un homme long. Il part le chemin. Il repart comme ça. Il cherche le chemin. Un homme là aussi. Il est venu vite à la maison. Ça fait déjà... Donc, il a quitté 20h. Je suis vers. On appelle ça quoi? À Vungu. Là, on appelle ça quoi? Non, pas Gaza, c'est trop loin. Coca-Cola. Un peu avant. Lui, maintenant, il était vers. L'autre avenue, la deuxième avenue de Vungu 2 là-bas. De 20h à 22h. Il tournait seulement. Alors, il a dit, ah. Donc je vais chez le pasteur. Alors le démon l'a laissé. Maintenant, il vient. Au pasteur. Vungi. Voilà. Maintenant, je me suis intéressé du message. De c'est lui. Mais il n'y a
dit, ça c'est quelque chose. Comment aborder ça? Alors, Puna, dit, allons-y. Betekwenda. Nous sommes partis. Betekwenda. C'est où il était où? Ah, puis, oh, qui nous sommes partis. Je l'ai accompagné jusque dans sa maison. Mais tout je suis revenu avec. Amen. Amen. Et maintenant, quelques temps après. La soeur quand il est venu à l'église. Cette soeur là. La manière qu'il louait. Il disait quoi? Il avait une onction. Laissez mon pasteur. Mais après un moment. On l'a donné l'information. Alors moi, j'étudiais ça. Quelle manière il faut qu'aborder ça? À la maison de Dieu, on va prier encore. Il faut qu'on ait des éléments. Parce que ça, si on dit ça, c'est ça qui entraîne même les gens à la justice. Ni la question de la gendarme. Un frère qui fait bouffer moi nangana. Maintenant ici, déjà, il a rencontré un esprit. Maintenant après, comme on l'a, les frères de maison de Dieu ont dit ça, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. La lettre est venue un peu en retard. J'ai vu la lettre. Aussitôt, le jour-là, il n'est pas venu à l'église. Pourquoi c'est le frère Mathieu qui le voit? Frère, pourquoi tu ne viens pas? Yiki, mon fils a la lettre, tu ne vas pas t'en faire. Non, mon fils a la lettre, tu ne vas pas t'en faire. Ah ben les frères sont venus me voir. Voilà. Les frères étaient en train de dire. Ils pensaient que non, peut-être moi j'étais parti avec la sœur. Bah, bon, d'accord. Comme c'est comme ça, c'est la maison de Dieu qui a failli. On devait d'abord tester pour dire d'abord à celui qui l'a envoûté. Et s'il accepte ça, on dit de laisser la fille. Mais tu de tout. Parce qu'on l'a dit ça. Quand la base, la il va amener ça chez la famille. Il a écrit une lettre. J'ai lu ça ici. Oh non. Moi, parce que je ne paye pas la dîme. Baba qui foutait la dîme. Pourquoi ça ainsi de suite? Il va même traiter de Judas. Allez, on a quoi? Tu m'as Judas. C'est complice. Pourquoi tu n'as pas livré? Il est sorti. Payez mes basika. Dieu ne part. Il avait raison de sortir. Parce que le fait était réel. Il a vu un démon qui le suivait. Il quittait la maison de ce frère. Et moi, vous gérez ça, dit ah, mais ça, c'est grave. La soeur n'est pas malade. Comment? Et voilà comment c'était passé. Faute de quoi? C'est la maison des dents. Et ça n'a pas fini, on continue encore. Bon. Abolition. Amen. Amen. C'est le diable qui était rentré. Amen. Amen. Donc quand le diable rentre, quand quelqu'un donne une mauvaise prophétie, on impose les mains, il doit rester certains moments pour œuvrer encore. Pour tester si c'est lui-même ou c'est un esprit. Amen. Amen. Je continue. Mais c'est très important. Donc, il doit avoir trois dons spirituels, c'est pour les appeler. Nous les appelons. Par exemple, des juges pour juger trois personnes avec les dons de discernement. Cela est appelé comme ça dans la Bible. Et l'un d'eux pouvait se lever et dire, c'est de la part du Seigneur. Et un autre se lève et dit, c'est de la part du Seigneur. Et les deux remporteraient sur l'autre. Ainsi donc, on écrivait le message et ensuite on le plaçait à la chair. Et cela ne pouvait donc pas être du genre. Jésus vient bientôt. Ça, nous le savons. Et les autres choses que l'Écriture ont déclarées. Amen. Amen. Alors il dit, ça devait être quelque chose du genre. Dites, ainsi dit le Seigneur. Dites à frère Johnson de quitter sa demeure. Car elle est près d'une voie ferrée.
En effet, demain à 14h, il y aura un accident là. Et sa maison sera détruite. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui. On dit à quelqu'un, à Johnson, Johnson, la prophétie sort, est-ce que le Seigneur qu'il quitte sa maison? Parce qu'il est proche de la voie ferrée. Il y aura un accident, mais sera détruite. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Tu vas déplacer la maison le même jour. Si c'est la maison en métal, on va démonter. Mais la maison en brique. Si tu as dur, tu vas faire quoi? Amen. Amen. Alors il dit, alors tu vas où? To. Où? To. Ça c'est un exemple de prophétie. Yeah, dites à frère Branham, que ce soir quelqu'un viendra de telle ville, souffrant de telle maladie, il sera bien de telle façon, et il ira vers lui. On l'amènera ce soir à bord d'une ambulance. Et dites-lui que cette chose qui est, c'est contre lui. C'est ainsi le Seigneur. Eh bien, alors si ces messages ont été notés, que les témoins ont témoigné que c'était le Saint-Esprit, cela a été déposé à la chair. Et ensuite, quand l'Église commençait à s'assembler, tous les dons avaient déjà joué leur rôle dans leur réunion. Rien ne se passerait alors si ce n'est chanter la parole ou chanter les cantiques. Amen. Amen. Donc, si on annonce ça qu'on annonce, comme c'est demain, on doit plus chercher même le juge. Dis, frère, déloge-toi. Il va déloger. Il va chercher quelque part. Amen. Amen. C'est là-bas des maisons, on va chercher même des choses dans les maisons des frères. Amen. Amen. Et on attend demain. Et demain, c'est pas arrivé. Et les juges, ils ont été agis par un mauvais esprit. Et ça n'avait pas dit que le don est faux. Non. Mais le diable s'est glissé. Et on ne doit pas haïr les frères. Il avait coulé. Il y a rien que son sang. Lui, il disait non. C'est comme. Il y a un témoignage qu'on m'a donné hier. Quelqu'un est parti chez. Et on l'a amené chez M. Kisinga. Maintenant, comme il était habillé comme une prostituée, alors, le maman Mbikudi là, il dit, il faut que tu fasses un lavage. Parce que tu ne te maries pas. Il te faut un lavage. Il a parlé. Il dit, maman. J'étais marié. Maintenant, j'ai 6 enfants. Maintenant, l'autre l'a amené. C'est ça qui se passe là-bas. Parce que quand l'Mbikuri parle, si tu n'es pas fort, on va te lancer un sort. Hein. Comme l'embarras, on te disait, on jette l'embarras. C'est pas la maison. Un manga professeur. Mais pourtant, c'est faux. C'est pas le cas, la parole. Si c'est faux, c'est faux. Il y a que le founou. Et ce n'est pas le frère qui est faux. Ce n'est pas le don qui est faux. Mais c'est le démon là qui est faux. On va le chasser du frère. Amen. Voilà, ça édifie. Ça prévient du danger. Amen. Ça dit, le royaume, l'église est en sécurité. Spirituel. Il y a un danger là-bas, il annonce. Ça peut arriver même la nuit. Le frère appelle, pasteur, j'ai fait un tel son, je vois d'abord. Voilà. Aussitôt, frère, soeur, je suis en prière. Pasteur, j'ai rêvé. Il y a des voleurs qui tournent autour de la maison de frère. Il y a des voleurs qui tournent autour de la maison de frère.
Malamosi, Kundi, réveille-toi. Fumuka. Il y a des voleurs, fais du bruit dans la maison. Il y a quelqu'un qui m'a chante là-bas. Yimba kuna. Alléluia. 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 Il faut aller témoigner. On voulait rentrer. À 3h, il chante. 3h, il yimba. Voilà les dons. Il y a ma kabou. Amen. Ça édifie nous-mêmes. Amen. Donc c'est un couteau à double tranchant. Il chasse les mauvais. Il nous édifie nous-mêmes. Et pourquoi ne pas aimer cette opération? Pourquoi ne pas réclamer que les dons se manifestent? Si nous voulons maintenant aller au ciel, le ciel c'est une sécurité. Mazulu kele nkebolo. Le ciel c'est une sainteté. Mazulu kele bulongo. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui sanctifie. Il y a des choses même où on craint. On a honte même de confesser. C'est ça qui arrête tes bénédictions. Tu ne peux pas dire ça. Si je peux revenir au témoignage de Teresa. En 2006. En 2006. Amen. Amen. J'aimais écouter là parce que je savais que 2006 était le réveil de 50 ans. Que Dieu donne dans chaque nation. Et ça c'était un petit vent seulement. C'était tombé en Corée. Corée, ils ont un Messie jusqu'à aujourd'hui. Ce qui concerne la manifestation des miracles. Depuis 2006. Alors, il y a une femme. Teresa était une femme prédicateur. Teresa Vanaka, il y avait son mari Rodriguez qui prêchait, qui a aussi le discernement. La femme la vieille, il ne mettait pas au monde. Depuis qu'il était avec son mari 20 ans. Teresa nous regarde. Teresa pour te mettre au monde, il n'y a pas où la sorcière. Il dit, tu vas, quand tu louais quelque part, il louait quelque part il y a 20 ans. Et un petit bébé de 2 ans est sorti rentré dans le WC. Le WC artisanal. Puis il suivait. Il est tombé. Enfin, on a cessé le bébé. Personne ne peut témoigner. Mais si je dis, temps passé, ça 20 ans plus tard, Teresa voit ça. Comme il recevait un titre privé, il dit voilà, tu reconnais ça, oui, c'est pas moi, je sais, c'est pas toi, mais tu vas assister. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu vas chercher cette femme. Tu vas lui dire la chose. C'est possible d'aller creuser le WC, il va le trouver les eaux là-bas. On va lui dire ça. Vraiment, mais va. Tu peux amener la police. Prends les réponses si tu veux des enfants. Tu fais ça, tu viendras. La femme a pris quelques conseils. Elle est partie voir cette femme. Avec les sécurités. Il a dit voilà. Je l'ai dit parce que c'est Teresa qui m'a dit. Je ne mets pas mon depuis ce temps. Après, il est revenu. Le reste là, je ne sais pas comment ça va. Il est revenu. Rodriguez a pris. Une année plus tard. Jumeau. Vous voyez. Maintenant là c'est qu'est-ce qui agit? Kula yiki salaka. C'est pas Teresa. Ni Teresa c'est le temps. Ni di kabu. Qui a capté. Inames kanga di ambuya. Et c'est toi maintenant de faire foi. Ni ngepe na kutula kimino. Si tu veux ou pas. Kanange sola to fe. Et s'il l'a pas fait. Kanange salaka ya ou fe. Aucun homme pourrait le donner ça. Mais mutu mosi mezo la pesa ni mwana. Pas des choses comme ça. Tata la mutinu ina. Mais c'est bon. Ya kile kitoko. Mais si nous voulons être une église, quand nous voulons être des chrétiens, nous acceptons les dons spirituels. Mais lui savait ça. Il n'a jamais témoigné ça. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais tu es témoin.
Amen. Amen. Peut-être des gens sont morts aussi. On accusait beaucoup de gens. On a dit Aucun féticheur marabout n'a dit que dans le trou. Mais Teresa le don. Teresa dit il avait un don de connaissance. Amen. Amen. Il a canalisé. Et aujourd'hui, cette femme-là, il a des enfants. Amen. Voilà comment les dons sont utiles. C'est pourquoi, pour cela, on doit dégager l'orgueil. La honte. Faire un apprécier honte de lui. Amen. Amen. Honte de lui. Comment tu peux avoir honte de Dieu? C'est ce que Dieu veut faire. Beaucoup de milliards de gens qui adorent Jésus. Mais Jésus, il faut seulement ton problème. Mais il faut te dire, je suis qui? Mais Jésus a beaucoup de gens qui l'adorent. Il y a un point noir. On peut trouver 100 000. Mais il y a 100 000 qui l'adorent ici. RDC, c'est des millions. Mais la RDC, bien, il y a plus de 10 millions. Mais le monde, c'est des milliards. Mais ce matin, il faut seulement toi. Dans le mauvais, dans ce que tu as fait de mauvais, et il te dénonce. C'est la chose que j'ai voulu que moi n'aille. Il y a qui m'a dit que le moine est un zombie. Amen. Amen. Parfois, un enfant bataille, on l'ignore. C'est son propre fils. Quel que quelque chose ce qu'il fait, on doit le corriger. On doit le frapper par amour. Même toi, tu ne veux pas. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a tu ne peux pas. Mais l'esprit va dire. Amen. Amen. Pour t'aider à avancer. Amen. Amen. Et avec cela, Pénayau. C'est pourquoi, quand c'est là, dès que nous parlons là, le diable déjà est dérangé. Diable, qu'est-ce qu'on est au coin, maman? Amen. Amen. Si dans ton cœur là, dans ta pensée, tu dis ah, c'est le démon qui est en toi. Tu ne veux pas. C'est que tu as choisi d'être mauvais. Tu peux être mauvais. Pourquoi tu choisis d'être mauvais? Nous voulons lire dans la Bible. Mais la Bible. Ce que Dieu n'a pas appelé son peuple, il nous a fait. Il nous appelle son peuple. Il a abandonné les Juifs pour venir vers nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous le rejetons. Mais nous, on n'est pas allés au sein. Dieu ne nous connaissait pas. Dieu connaît les Juifs. Il les a abandonnés. Et c'est commence à dire la ville sainte, Jérusalem. C'est qui se dit? La ville sainte, c'est ici. C'est l'église. Ni di bundu. Que la ville sainte. Ni na kele mbanza ya longo. Mais c'est vraiment une grande joie. Ya kele kilengia nini? Et ils considèrent que c'est les Juifs. Bah voilà, t'as la tini pas au Bayou. Le monde entier voit qu'au Jérusalem. Israël, il n'y a plus rien. Qui m'a kevé à Jérusalem à Kuna? Il n'y a même pas une empreinte de Dieu là-bas. Attends, du tambi en Zambi kevé Kuna. Zambi kevé Kuna. Dieu vient chez nous les païens. Zambi Kuna la bête au Bipakalu. Et il veut faire. Ce qu'il a fait, c'est les Juifs. Mais nous, on ne veut pas. Bête au bête la mort, bête à Zola fait. Mais comme tu ne veux pas, nous tu veux quoi? Gézola Iki. Amen. Amen. Choisis. Salam Sodolo. Voici le démon de Jova. Là-bas, il n'y a pas de dents. Kuna makabu kelevé. Là-bas, on ne croit pas au sens. Là-bas, il n'y a pas de dents. Mais pas ici. Kasi awa fe. Pas dans la parole. N'importe fe. Amen. Amen. Il suffit seulement 5 personnes. Yabenu wakaka batu tan. Réclame. L'homme je vais donner. Nzambi kepesa yao. Amen. Amen. On est tous les mauvais. Mais on ne peut pas mauvais, ce n'est pas ici. Car quelqu'un veut vous servir, mais la fin d'avoir vu. Dieu. Mais qui est bon. Il y a une qui est bonté. Il peut apporter sa bonté. Il peut s'amener au bonté, Yandi. On
n'est pas de juste. C'est lui le juste. Et nous venons pour nous justifier. Disons le prophète, dans, il y a ici plus que Salomon. Du jeudi 28 février 57. Au paragraphe 21. Amen. Et dans tous les âges, depuis la Pentecôte, Dieu a toujours œuvré à travers ses dons. Mais quel Dieu nous servons? Moi, pour ça, je me plains. Amen. Amen. Mais moi, je dis le Seigneur. Est-ce que c'est le même Dieu que Branham a dit? Est-ce que c'est le même que les apôtres, les Pierre ont adoré? L'église qui commence 3 jours, ça descend. Pourquoi nous perdons? Amen. Mais si tu trouves Dieu, mais Abraham a fait ça. Seigneur, tu vas détruire Sodome. Mais si tu trouves 5 ans, tu ne vas pas détruire. Mais Seigneur, 40. Seigneur, 30. 10. Dans les 10 là, mon fils, mon frère Lot est là-bas. Ah, vous voyez, il s'est plaigné pour nous. Mais pourquoi nous, les plaintes, les négatifs, c'est les plaintes qu'on doit présenter chez Dieu. Seigneur, déverse les dons. Il dit qu'au travers de tous les âges, Dieu a œuvré au travers de ses dons. Et toi qui sens que tu en as, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu ne veux pas? Et sache qu'un jour, Dieu va t'ignorer. Et quand Dieu t'ignore, il n'y a pas notre Dieu qui peut t'appeler. C'est lui le chef. Il est le maître. Nous sommes des esclaves. Un esclave obéit au maître. Si nous n'obéissons pas les sanctions, il dit, après avoir autrefois plusieurs reprises et plusieurs manières parler au Père par les prophètes, cependant dans ces derniers jours, il a parlé par son fils Jésus-Christ. Maintenant remarquez, Dieu œuvre dans ses dons. Et lorsque Dieu envoie ses dons, ses dons tiennent toujours fermes. Ils sont toujours attaqués par le diable. Amen. Amen. Quand tu as un don, le diable, les gens viendront te décourager. Amen. Le frère père, parfois tu entends même les murs. C'est lui qui veut montrer quoi? Amen. Amen. Qui est Alexa? Quand tu entends, moi, qui est Alexa? Seigneur, Fumu, montre-moi ces gens. Naki Samulu Batuina. Ils sont, qu'est-ce que c'est mes frères? Yakeba Kudia Mounou. Qu'est-ce que c'est mes ennemis? Yakeba Benia Mounou. Amen. Amen. Oui, il va te montrer. Et après, tu amènes ça. Pour aller voir. Voilà le but que vous avez. Vous voulez empoisonner un tel. Vous voulez empoisonner un tel. Amen. Amen. Ah, c'est suite. Vous êtes un agent d'armée. Amène la gendarmerie. On va la gendarmerie. On va dire, oui, on croit la prophétie. Oh, amende. Oh, amende. On va payer. Et on va voir. On va voir combien. On va payer. Un million. On va voir ce qui va arriver.
Et on va dire aux gendarmes. Si c'est vrai, vous allez voir ce qui va. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ouvres le téléphone, on est passant d'être empoisonné. On vous met ça en place. Comment? Parce qu'il n'y a pas de manière. Et celui qui est empoisonné dans l'église. Vous êtes sûr que je ne le vois pas. Je regarde. Mais il n'a pas d'autre moyen pour l'arrêter. Lui, son moyen, c'est à travers un don. Mais vous ne voulez pas le don. Vous étouffez vous-même le don. C'est un don qui ne sert pas. Tu dors de 19h jusqu'à 6h. Il ne prie pas. Mais le don va pas. Un homme qui a été un homme... C'est une femme et un homme de sacrifice. Il doit prier. Il à l'église, il vient à temps. Il vient à l'hôtel, il s'agène. C'est là ce soir. Ce matin, il faut que tu nous aies dit. Je suis là. Je confesse mes péchés. Libère ma pensée. Libère mon esprit. Aujourd'hui, ça sera chaud, Seigneur. Voyez que Dieu va descendre. Ça, nous voulons aller au ciel. Il n'y avait tout seul à quoi, le masulu. Ces dons sont toujours attaqués par les diables. Bah, si on sait que le diable va attaquer, mais diable qui nous je veux pas craindre le diable. Qui m'avait diable? Parce qu'il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous. C'est une part de bonheur. Quand on parle mal de moi à partir de ce don que je manifeste, moi je vais avancer et il va descendre. Et surtout si je prononce un mot, ils seront maudits. Il y a un don. Nous disons du cabou. Les prophéties. Mais il pense que les choses vont t'atteindre. Tu l'as triste. Et il prononce. Il n'y a pas de ça. Mais nous ne sommes pas là. Je vais dire ne maudissez pas. Bénissez toujours. Chaque mauvaise chose a son prix. Il y a quelqu'un qui fout ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est pas nous, c'est lui-même. Celui qui attaque les dons, c'est lui-même qui se détruit. De descendre jusqu'à la fosse. Comme Corée d'Ata et Abiram. Mais. Ils sont toujours attaqués par le diable. Mais ils ne changent pas. Parce qu'ils viennent de Dieu. Même s'ils attaquent, ça ne change pas. Et toutes les attaques que le diable peut lancer contre eux ne les éprendra jamais. Vous voyez, si vous avez une manifestation, ne soyez pas ébranlés. Ne soyez pas intimidés. Rien ne va se passer. Ça veut dire qu'ils vont venir sous le feu. Les doigts sont en feu. Parce que vous devenez une gardienne. Une gardienne du trône. Un gardien du trône. Amen. Amen. Et si c'est un gardien du trône, tu as avec toi l'épée. Amen. Amen. Dans le monde, Naïnza. On crée les gens de Bizinga. Les mamans Bikuri, c'est les missionnistes. La mission, comment on les respecte? Bon, il est dit faux. Dimakaka. Pourquoi? Samnaïki. Parce que si c'est nerf, tu seras frappé. Même si c'est faux. Attaque le foulou. Dimakaka. L'argent qui était perdu à l'église, c'est toi qui avais volé. Il faut trois témoins. C'est ça qui leur manque. Ni la quelle code à pas ou la bisinga.
Et ils respectent. Vous devez respecter. Vous devez prier pour ça. Maintenant, si quelqu'un pose de quatre dedans. Vous allez haïr. Oui, quelqu'un peut passer 4. À lui seul. Na yani mosi. Et toi qui reçois ça aussi. Ne crois pas que tu as au-dessus du pasteur. Kutala vesi kike la zulu ya vungi. C'est là aussi le problème. Ni kuna pedi ya mukere. Tu as un petit don. Ni akedi kabu ya fioti kile ngi. Le pasteur a un grand don. Vungi kedi kabu ya nene. Pour te conduire. Ni nakele tu adi sangi. Il dit 22. Oh, je suis si heureux de savoir cela. Je suis si heureux de savoir que j'ai vécu assez longtemps pour cela, être amené à une confrontation à maintes reprises. C'est une guerre. Parce que Satan, il a ça pour sortir, c'est une guerre. C'est mauvais esprit pour c'est une guerre. Mais nous ne serons jamais ébranlés. Les dons de Dieu tiennent toujours d'une bonne façon parfaite. Quelquefois, pas aux yeux de ces gens du monde, mais aux yeux de ces enfants, ils n'ont pas été envoyés pour le monde. Ah. C'est pas pour le monde. J'ai eu des problèmes ici. Quelqu'un parle à la maison. Le frère dormait ici. Il priait, il onctionnait. Il commençait à parler. Il a dit, ça, vraiment. Il y avait même le frère Tambo qui était là. Il y avait un frère qui était un peu plus âgé que moi. On est parti dans le rassemblement. Oh, il a dit c'est ça. Celui qui a dit ça, il garde seulement l'église. J'ai une maison des dons. De ceux qui prophétise. Mais lui, c'est un mauvais esprit qu'il a. Le pasteur, est-ce qu'il est mauvais esprit? J'ai ouvert la Bible. Je vais ouvrir la Bible. Donc c'est un mauvais esprit. Donc ça, même l'église ne sait pas. Lui, on doit prier pour lui. Voilà. Ah, parce que ça a bien parlé. Même frère, tu m'as dit, après, je dis, bon, vraiment, c'est entre nous, c'était Dieu. J'avais acheté un cachet de jus. On a partagé, on a bu, embrassé là. Amen. Voilà des choses comme ça. Donc ce n'est pas que nous voyons que maman a fait. Tu vois la famille de Trouy. On avait donné quelque chose de mauvais. C'est grave. Y a qui l'engue tout coulou. Les dons que tu as. Bikabu kenange. C'est pour l'église. Y a que ça me l'a dit bundu. Édifier l'église. La coupe ça bumbote l'a dit bundu. Si je vois les problèmes d'autres églises là-bas, je ne suis pas ailleurs. Je vais dire, moi, c'est le pasteur. Et le pasteur pourra parler au pasteur là-bas pour que ça puisse leur dire. Mais toi, tu vas dire. Il y a ça comme ça aussi. Il commence à terminer. En 2004, un pasteur nous a invités. Il était venu à la veille des prières. Moi, je vous invite. On a une conférence, une communauté d'action de grâce. Vers Kingoï là. Na Kingoï. Alors c'était
Ça doit être un mercredi. Un jeudi. Jeudi. Le mercredi, j'annonce à l'église, donc je vais aller prêcher ce qui veut venir. Maintenant, le frère fait la vision. Il dit à frère Michel. C'était le frère Landry. Celui qui fait la pagaille. Il tombe ici là. Il était vraiment bien. Il dit au pasteur s'il vient prêcher. Qu'il puisse amener son propre micro. Donc la chair est piégée. Et il doit beaucoup prier. Si le poison la rate, il y a un boa qui est là-bas. Il va la ranger. Le frère Michel, il est là. Pour Michel qui est là. Ah, t'as là. Si il dit, il va pas venir. Ah, quand on laisse la main, il vient, c'est là. On va nous dire ça. Qu'est-ce qu'on dit là? Moi, la nuit là, je fais un songe. J'étais à la garde de CFCO. Maintenant, un monsieur vient. Toi, tu comptes depuis là-bas jusqu'à ici. Ça fait combien de personnes? J'ai compté, je suis la 17e personne. Je dis, mais tu vas où? Je vais à Brazza. Mais la société là, c'est pour qui? Parce qu'il sait lequel est là. C'est le CFCO. Il y a que CFCO. Une société nationale. Il y a que CFCO. Je te dis bien. Tu vas où? Je vais à la piscine. Il me souffre, je dis, tu vas chez Ngamaba. Je vais à la Ngamaba, mais vous m'oubliez. Je me réveille, il a été 6h. Je me suis brossé. À 7h, j'ai pris le micro. J'ai appelé le pasteur. Parce que je ne serai pas là. Vous m'avez pris. Je me sens mal. Mon fille pas yembi. Le jeu, 16h. Maintenant, après que je dors encore. Enfin, je dors encore. Il me montre un espion. Il dit que celui-là est aussi dans le coup. Et vers 15h. C'est celui-là que le frère Michel, le frère Landry reçoit. Michel a fait un coup. Le vieux va venir prêcher. Ah, mon j'ai quitté Nzassé pour écouter. Mais il était dans le coup. Il était dans le coup. 15h ça commence. Ça commence. Maintenant le pasteur vient se demander sur le frère Michel. Vous ne viendra pas. Vous ne viendra pas. Il va être. Ah, il viendra. À la cuisaka. Nous aussi avait oublié que je l'avais. Il y a les pères Zimana qui sont beaucoup là bas. Dès que après, avant qu'on leur commence de pouvoir introduire le premier prédicateur. Tete ngunga ya mulongi tete banda. L'André lui, il tombe à terre. L'ngundi l'André me pour la tête. Il tombe à terre. La tombe balan toto. Comment ça dégage? Un balan kusonza. Il y a un bon agela. Fais mboma ke kwaku. C'est faux ici. Mais lequel va vous le foutre wa? C'est pas clair. Bah tu dis tout ça ka ya tala. Mais c'est la vie. Il y a lui me katuka pikisika. On l'a arrêté là. Bah me kanga ya le coup. Il vient d'où? On pikisika me katuka. On ne sait pas. Bah ni ça avec c'est katuka. C'est là ce qui. Il y a qui nani? On les prend. Bah me bakali. On les met dehors. Bah me lo sai nganga. Là bas de vrai tir. Tout le pas la zone d'yak. On les prend encore dehors. Bah me bakali la zone de dibundu. On l'a maîtrisé pas. Ah, mais tu l'as aussi maîtrisé. Il est fort pour le tenir. Quand on tient là, il est fort. Il y a même un bon là-bas. Il y a même un bon là-bas. Vous savez le poisson là-bas. C'était grave. Il y a un peu de temps. Maintenant, après, moi, je fais. Mais fais Michel. Coule Michel. Oh oui, il est à la colombe. Ah, il est à la colombe. Je ne sais pas qu'il a maîtrisé. Vous avez méprisé là-bas. Il était dehors. La réunion finie. Mais c'est grave, il faut corriger la réunion. Alors, ils ont envoyé trois frères chez les frères là. Oh, tu dois venir dimanche à l'église pour venir te répentir sur ça. Parce que nous, on a trouvé que c'est faux. Il n'est pas parti. Ils sont encore revenus. On te donne 3 jours. Si tu ne viens pas, tu as une plainte en justice. Le frère, après, il a dit, ah, je vais voir le pasteur. Il est venu me voir. Le pasteur, regarde ce qui s'est passé. Dis-leur. Dis-leur que leur pasteur puisse me voir. Moi, je dois être là. Puis c'est ma brebis qui a fait ça. Moi, je crois son don. Qui m'appelle. Ils sont revenus. Le pasteur a dit. Jusqu'aujourd'hui. Ils sont pas venus. La chose était juste. Voyez-vous. Donc, s'il n'y avait pas ça, mais je mourrais pour moi. Donc il y a beaucoup de choses. Toutes les églises ne sont pas des églises. Dieu savait pour mettre la bannière. Tout les têtes. Amen.
Donc c'est très important. Ça va aider l'église. Chaque individu. Je reviens encore. Il y a une soeur qui était chez soeur Clarisse. Il y a Neni. C'est le plus gros dans la salle. Il y a une femme grosse ici. Amen. Amen. Il était la première fille de sa maman. Sa maman meurt. Maman est mégoufoua. Après, il annonce. Père, elle met sa main debout. Dès qu'on a prié, la sœur Ida. Il voit deux cercueils. Pour sa mère et pour elle. Moi maman, moi aussi kibusi. Et puis on doit l'informer. Après, les gens disent voilà ce qu'on a fait. Son mari avait rêvé que tu vois là-bas, tu es en danger. Bon, il n'a pas accepté ça. Il est parti voir une soeur. Une soeur qui n'était pas dans le message. Avant, il est venu dans le message, il est à Fuchs. Il donne le même message. Je vois l'ombre de la mort sur toi. Comment je vais faire? On a même fait la cotisation. Mais bah, c'est là qu'on y puisse voyager. Elle n'est pas partie. On l'appelle. Si tu ne viens pas, on va pas enterrer. Il avait en fait 3 semaines. Au pour attendre. Au mercredi. Elle n'est pas partie. Appelle l'enterrement. Son oncle vient. Il dit Clarisse. Il dit Clarisse. J'étais venu, tu rentrais. Maintenant, il s'est souvenu. Sa maman l'avait dit. Le jour que je vais mourir, il avait oublié ça. Vous voyez? Qui a vu ça? Amen. Amen. Il n'y a pas un moyen de la Bible qui devait te dire. Un voyage, tu vas consulter la Bible. Ça, c'est le moyen secondaire. Dans un voyage, c'est le moyen secondaire qui traite ça. Et si ces deux sont en opération, nous serons heureux. Amen. Amen. Et pour ce faire, nous devons beaucoup écouté. Il y a un dernier message. Dans Dieu tient sa parole. Du 7 avril 57. Il dit, regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. Il a inventé les automobiles. Il dit que l'origine et la fabrication de tout ce que vous voyez qu'on appelle le monde sont les fils de Dieu. Les radios, les lumières électriques, les bombes atomiques, les avions à réaction. Regardez à quelle vitesse les pages de la science se tournent rapidement. Mais nous nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église. À rester là. Alors que Dieu veut que nous développions la parole. Nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout. Resplendissante comme les lys de la vallée. L'histoire, voilà, un moment on le voyait pas. Mais quand il est monté sur la surface, il a trouvé sa fleur. Il est venu manger son jus. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous sommes restés en arrière. Eh bien, je fais partie des Bichoni, presbytériens, méthodistes, pentecôtistes, je suis ceci, Colombe Blanche Tabernacle. Quelle honte! Nous devons nous développer. L'Esprit de Dieu se déversa à flot. Pas juste une petite effusion. Pas comme nous, il faut que ça déverse.
C'est pourquoi Jésus a dit on doit faire les bains de Michonne. Ni na avec ces bains là beaucoup vont se blesser. Na bakiti ya batu mingi lwa lawa. Il faut qu'on sorte. Ya belunga chimete tumuka kerika wa. Le fait de prêtre te lève. Peve même pas kangenge ko la losta tu tukuna. Amen. Pas une petite effusion. Kotokolo ya fiotivé. Pas un petit baptême. Mbotama ya fiotivé. Mais des baptêmes en baptême. Kasi mbotama na zuri ya mbotama. Oh, c'est baptisé sur l'esprit. Mungu na mbotama ninga. I not encore. Oui, c'est-à-dire que mbotama ya kaka. Baptisé sur baptisé. Mbotama na zuri ya mbotama. Pas une révélation. Nzai kusufé kaka. Le juge suffira par la foi. Ou la sanctification. Ou les dons de l'esprit. Mais des révélations à révélations. Des puissances en puissance. Au fur et à mesure, vous devez savoir que je monte en puissance. Amen. Amen. Jusqu'à ce que quand quelqu'un parle mal de toi, il a mal de tête. Oui. Ninga. On parle mal de vous. Mais la personne a mal de tête. Si c'est maman, c'est un frère qui est de toi. Quand il parle mal de toi, il comprend que quand je parle mal de lui, je parle mal de lui. Il y a un retour. Parce que quand quelqu'un parle mal, c'est une honte qui va. C'est comme une pierre que tu jettes. Ça tombe rouge. Donc tu lances la pierre, ça te revient. Puissance. Lulendo. C'est pas la théorie. C'est ce qui est promis. Alléluia. Dis de gloire en gloire. Amen. Tu vois la gloire. Là, tu contemples. C'est comme si le ciel est ouvert. Alléluia. Tu regardes comme si le ciel est ouvert. Tu regardes comme si ce n'est pas sur la terre. Tu marches comme si les pieds sont en haut. Comme les anges. Quand ils mettent les pieds en haut. Comme si les pieds en haut. C'est une gloire. C'est les choses qui ont été promises. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous devrions être tout au bout du chemin. Prêt pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. La Bible dit, Enoch, avant de partir, il marchait. Il commençait à disparu. La terre ne pouvait pas le retenir. La pesanteur ne pouvait pas le retenir. Et le monde, tout ce qui est dans le chemin, ça doit être brisé. Alléluia. Ton chemin devient lumineux. Personne ne peut t'égaler. Chacun doit marcher. Par une parole, par une prière, tu es manifeste. Alléluia. Alléluia. Il dit, et nous traînons en arrière dans ces vieilles histoires. On disait bien, nous retournons tout en arrière. Non, avançons. Ne regardez plus en arrière. Ne raisonnons plus. Plus de plaintes. Mais recevez la puissance. Recevez l'onction. Réclamez l'onction. Reste la dynamique. Il est ici la dynamique. C'est sa parole promise. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.